Bonjour les professeurs, bienvenue sur Nance Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Une vidéo qui était de faire le tour des réseaux sociaux. Regardez, est-ce que vous voyez ça? Qui peut me dire ce qu'il se passe ici? C'est un truc hors du commun. Est-ce de la blague? Est-ce une chose pour faire le buzz? Est-ce la vérité? Est-ce une réalité? Vraiment, je ne saurais vous l'expliquer, mais j'aimerais juste vous montrer ce qui se passe ici pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Regardez! Est-ce que vous voyez cette fille-là? Selon vous, que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Regardez bien son état. Les gens ont filmé cette vidéo. Nous montrons cette fille étant dans cet état. C'est comme si elle a perdu tous ses sens. Vous voyez? C'est comme si c'était un début de folie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on peut voir de sa main ça. Regardez. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? Les gens disent que c'est un iPhone. Un iPhone sérieux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit on voit de l'argent. Beaucoup d'argent. Quoi, sérieux? Mais quel est le lien entre elle et autant d'argent? Je comprends pas. C'est là que nous allons écouter ce que cette femme qui est ici est en train de lui dire. Elle parle en anglais. Après avoir écouté, je vais faire la traduction pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe ici. Écoutons ça. Voilà les conséquences de la vie facile. Quand on vous parle, vous dites que non, vous maîtrisez. Vous, les petites filles, à partir de 18 ans. Waouh, vous voyez ça? Vous avez entendu ça? La première femme qui parle en anglais, là, qui est ici, là, elle dit que ils t'ont utilisé. Ils t'ont utilisé. C'est ce qu'elle était de dire à la fille. Hein? Elle dit à la fille, ils t'ont utilisé. Ils t'ont utilisé. Ils t'ont utilisé. Mais qui a utilisé la fille au juste? Qui l'a utilisée? Selon ce que les gens sont de raconter, ils disent que ce sont des brouteurs ritualistes qui ont piégé cette fille. Oui, à cause de iPhone 14, elle est tombée dans le piège des brouteurs ritualistes. C'est ce que les gens sont en train de dire. Quand je regarde le téléphone, je me dis, mais attends, est-ce que ça c'est vraiment un iPhone? Je ne sais pas. Mais on la voit, elle a arrêté, comme vous voyez ici là. Comme vous voyez ici là, on la voit, elle a arrêté comme ça, en montrant ces deux choses, ces deux éléments qui se trouvent dans sa main là. Genre, elle montre ces deux choses là comme ça, dans la main, comme ça, comme ça. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Quel est le lien? Et cette fois que vous venez d'entendre, elle dit que la plupart des filles d'aujourd'hui, elles veulent se livrer à la facilité, à voir les choses des grands avant leur temps. Maintenant, regardez. Quand on regarde son visage, on peut voir carrément comme si quelqu'un qui est en train de devenir fou, quoi. C'est comme si elle devenait folle. Et en voyant tout ça, cette femme qui est ici est agitée et elle est en train de lui dire, ils t'ont utilisé, ils t'ont utilisé, ils t'ont utilisé. Hein? Ils t'ont utilisé, ils l'ont utilisé, sérieux. Genre, elle voulait un iPhone plus beaucoup d'argent sans savoir que les gens avec qui elle allait sortir là, ces gens-là en réalité, allaient prendre son âme ou même prendre son esprit pour faire des cérémonies bizarres,
pour avoir plus d'argent investi. C'est-à-dire que l'argent qu'eux ont pris pour lui acheter le portable, le téléphone, puis ça, elle va aller remplacer cet argent-là avec son esprit. Mais regardez, vous voyez ça? Ça, c'est selon ce que les gens sont en train de raconter. Moi, j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit, mais attends, c'est de la blague ou quoi? Mais comme les gens sont en train de plus en plus en parler, c'est pourquoi je vous soumets cette affaire afin que vous aussi, vous puissiez m'aider à comprendre ce qui se passe. Et oui, chaque année, quand un iPhone sort, toutes les filles, elles sont pressées comme ça. Elles veulent avoir l'iPhone aussi. Pourquoi même? Pourquoi même? Ah, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, moi, j'entendais beaucoup les gens parler de iPhone avant. J'entendais beaucoup les gens parler de iPhone. Yo, le iPhone, c'est un téléphone à la mode. Oh, c'est un téléphone à la mode. Mais ça m'a vraiment jamais attiré ni impressionné. Je me disais que c'était de la blague. Maintenant, voici que je suis arrivé à un niveau où je devais maintenant avoir un téléphone puissant pour pouvoir travailler. Là, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse avoir un téléphone puissant. Et le téléphone puissant que Dieu m'a permis d'avoir là, c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est le iPhone comme ce que vous voyez dans la main. Regardez, c'est un iPhone. C'est pas de la blague, c'est l'iPhone. Un iPhone. Un téléphone très cher. Maintenant, quand j'ai eu le téléphone, j'ai pensé que j'allais être ébloui, j'allais être vraiment dépassé, parce que tout le monde parle tellement du téléphone, jusqu'à les filles vont se vendre pour le téléphone. Je prends le téléphone, je manipule le téléphone, je dis, mais c'est vrai, le téléphone a une puissance supérieure à tous les téléphones du monde en ce moment, mais le téléphone aussi, c'est défaut. Ça veut dire que ce téléphone n'est pas si parfait que l'on croit. Mais la question que je me suis posée, c'est, mais pourquoi autant de bruit autour de ce téléphone? Autour du iPhone, pourquoi autant de bruit? Jusqu'à des filles vont se vendre. Ah! Sérieux? Jusqu'à certaines personnes vont faire money ritual. Ritual d'argent pour ça. Pour un truc qui n'a vraiment aucun sens, je n'ai rien compris. C'est là que j'ai vu que vraiment, c'est l'effet de la mode. Et c'est le monde dans lequel nous sommes là, c'est ça même que vous voyez là. Le diable vous attire avec les belles voitures, des voitures de luxe, des montres de luxe, les chaussures de luxe, les habits de luxe, les portables de luxe. Il vous attire, il faut vous mettre les pièges. Il est en train de vous piéger seulement. Il plaque les gens, il plaque les gens. Faites attention, c'était pas de votre âme, pas de votre esprit. Sérieux. C'est pas de la blague, hein? Retenez ça, hein? Ah, vous qui voyez les belles voitures, et puis vous êtes agité, vous êtes excité comme jamais, là. Faites attention. Faites très attention. Ce sont aussi des pièges que le diable utilise pour avoir les gens. Une voiture jolie, même si ça coûte 4 millions de dollars, ou bien 10 millions d'euros, cette voiture-là, elle va passer. Le iPhone, tous ces choses vont passer. Tout ça, ça va passer. Et oui. On ne peut pas dire, ah, je vais me donner à tel gars, à telle personne, juste pour avoir un iPhone. On ne peut pas comprendre ça. On peut pas, c'est pas concevable. Vous voyez ça? Et les gens d'aujourd'hui, ils sont tellement livrés à la facilité que... Hein, qui font tout ce qu'ils veulent maintenant. Il n'y a plus de limite pour eux. C'est seule la mort qui peut les arrêter. Seule la mort peut les arrêter. Ces gens-là sont prêts à défier le diable. Et oui, hein? Ils sont prêts à défier le diable. Et oui. C'est-à-dire, ils sont prêts à rentrer même, hein, dans la chambre de Satan. Pour lui dire, hey, toi là, c'est toi le diable. Hein? Ils vont même toucher son ventre. On va toucher, on va dire, hey, c'est toi le diable, non? On dit, c'est toi le diable. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Sérieux? Sérieux? Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Qu'est-ce qui arrive à cette fille?
Écoutons sa camarade encore. Ils t'ont utilisé, ils t'ont utilisé. Voilà les conséquences de la vie facile. Quand on vous parle, vous dites que non, vous maîtrisez. Quand on vous parle, vous dites non, vous maîtrisez. Et si c'était pour faire le buzz? Moi, je ne sais pas. Vous savez, ce genre de choses, je n'ai pas tellement à parler maintenant sur ma chaîne YouTube parce que souvent, il y a des sorciers qui font ça, vous viennent faire des trucs pareils juste pour distraire les gens. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des filles qui se vendent pour iPhone. C'est pourquoi j'ai regardé ça et j'ai dit, il faut quand même que je vous le dise. L'iPhone, ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez un petit téléphone et que vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, contentez-vous de cela. Si vous voulez plus, si vous voulez plus, travaillez dans la légalité. Tout doucement, petit à petit, vous allez arriver. Ne regardez pas les gens pour courir avec les gens. Sinon, si vous allez arriver, si vous courez à une vitesse supérieure, vous allez faire un accident. Regardez. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est que ça, matin bonheur là. Qu'est-ce que cette boucle d'oreille là cherche dans ton nez, ma petite? Qu'est-ce que ça cherche dans ton nez? Vous voyez? Les gens disent qu'ils sont à la mode, ils sont sexy, ils sont jolis, mais regardez maintenant. Hein? Sa camarade qui est à côté là, elle est en train de dire, ils t'ont utilisé, ils t'ont utilisé, ils t'ont utilisé. Les gens disent que les Yahoo Boys au Nigeria, on les appelle les Yahoo Boys. Ceux qui utilisent l'ordinateur pour arnaquer les gens. Ou encore le bouton en Côte d'Ivoire. Mais une chose est claire, c'est que ce n'est plus un simple boutage qui se passe maintenant. Il y a des ritualistes qui sont entrés dans la chose. Mon rituel, le rituel d'argent. Regardez! C'est un truc hors du commun. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de cette affaire, si vous avez d'autres informations. Maintenant, moi, je vais jeter un coup d'œil un peu partout sur les réseaux pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Et je vais vous donner plus d'informations par la suite. Mais vous, vraiment, s'il vous plaît, conseillez vos soeurs et je prie qu'elles puissent vous écouter. Waouh, affaire de iPhone et de nos choses. Seigneur Jésus.